La suite du journal avec les nouveaux membres du bureau de la Chambre nationale des huissiers de justice qui viennent de prendre officiellement leurs fonctions. C'était à la faveur d'une cérémonie présidée par le président du dit bureau. Le récit est de Jean de Dieu Ogoms. Les images sont de Médard Ingeng. C'est par une minute de silence en mémoire des confrères décédés que le nouveau président de la Chambre nationale des huissiers du Gabon a procédé à l'installation des membres du bureau de cette entité judiciaire. Ce que nous pensons faire urgemment, c'est que si c'est impossible d'obtenir le plus rapidement la loi sur les huissiers, donc le statut de huissier de justice, parce qu'il faut vous rappeler que la loi actuelle date de 1970, ce qui veut dire que près de 50 ans après, il faudrait qu'on revoie les choses parce que l'évolution de la société ne permet plus à ce qu'une loi de santé puisse s'adapter aujourd'hui. Et nous pensons qu'avec la nouvelle loi, les judiciaires pourront avoir de nouvelles orientations parce qu'elle sera adaptée effectivement à l'évolution de la société. Ce bureau, élu le 27 janvier dernier, est composé de 9 membres pour un mandat de 3 ans, renouvelable une fois avec des missions précises. La deuxième priorité, comme l'a si bien dit, c'est la formation des judiciaires. Cela nous préoccupe de tant que nous voulons avoir un corps au même niveau que les autres corps d'élite des métiers du droit. Et c'est pour cela que, avec la loi numéro 2 qui fait l'école de notre nouveau centre de formation, nous pensons que les huissiers pourront en tirer largement profit de cette disposition de la loi. Sitôt installé, le président de la dite chambre a présenté aux représentants du ministère de tutelle et des cours des tribunaux le premier tableau des huissiers de justice. L'actuel président Florentin Bamenier remplace à ce poste Eliane Auberdeneau.